Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, le président du syndicat des marabouts du monde entier, une fois de plus, elle là. Et je vous rassure, ce jour, toi, la fille noire qui me regarde, toi, je suis au probatoire, c'est rien. Je peux faire en sorte que ton nom réapparaisse. Donc, tout à l'heure, là, il faut boire 5 litres d'eau. 5 litres d'eau. Après avoir bu 5 litres d'eau, tu manges une poignée d'arachide grillée. Tu repars. Dans votre centre d'examen, tu vérifies ton nom va sortir. Et en attendant que tu ailles faire la potion, le traitement, permets-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tout va. Eh bien, c'est la revue de presse qui prend feu et le marabout verse sa piscine miraculeuse en jetant les coris. Je bouge les coris et je rebouge le coris. Que me présente le coris du milieu? La Corée du milieu me présente Togo Matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Togo Matin a tiqué en grand titre. Interview exclusive avec Marc Vizi, ambassadeur de France, en fin de mission au Togo. Les liens humains que la France et le Togo sont tels que je quitte le pays confiant pour l'avenir. C'est entre guillemets. Allez vous-même lire la suite de la page 6 et la page 7. C'était tout pour Togo Matin. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Togo avec le messager togolais. Eh bien, le messager togolais, l'hebdomadaire messager à Tika en grand site. À rentrée scolaire 2020-2021, à Fou Apcha, à Deji, ministre des enseignements primaires et secondaires, les enseignants mettent la pression en bras de fer en perspective. Lis la suite à la page 3. Un peu plus à quoi, ils ont dit. La police met la main sur un gang de criminels au Togo. Ça, c'est un gang qui avait tout l'arsenal, si. Ce gang-là avait les gangs vrais. C'était tout pour le messager togolais. Mesdames, mesdames et messieurs, sans transition, nous, après le Togo, nous allons directement aller au Cameroun. Et ça avait le messager camerounais. Eh bien, le quotidien, le messager a tiqué en grand pays. Après le 22 septembre, point d'interrogation, pardon, point de suspension. Le MLC promet l'enfer au régime Biya. Dans un communiqué signé au Kamto, pardon, signé de Kamto au nom des partis. Bon, vous allez vous-même bacaler là-dessus à la page, quoi. C'est tout pour le messager. Sans transition, nous allons repartir du côté du Togo avec Liberté. Eh bien, Liberté a titré en grand titre. Un blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Une société togolaise en affaire avec une entreprise offshore à Singapour. Un rapport américain classe le Togo parmi les pays à haut risque de blanchiment d'argent. C'est ça. Hein? Battez-vous à lire la suite à la page de C'était tout pour Liberté. Mesdames, mesdemoiselles, sans transition, nous allons revenir au Cameroun avec Mutation. Bien, Mutation a muté un grand cyclan. Marché du MRC et allié. Le jour dit, les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam sous haute sécurité. Deux points. Maurice Kamto serve juridiquement contre une éventuelle répression. Battez-vous à lire vous-même la suite de la page 5 à la page 9. Après Mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien à l'émergence. Pardon. L'émergence à l'horizon 2045. L'émergence à Tikan Gansik. Marché du 22 septembre. À succès ou échec, point d'interrogation, 12 espèces s'affrontent. Battez-vous à lire la suite de la page 5 à la page 17. C'était tout pour le quotidien. Émergence sans transition. Nous allons continuer avec Essingang. Eh bien, Essingang à Tikan Gansik. Imposture. Le MINDEF dénonce Alain Fongan. Pardon, Alain Fogel. Battez-vous à lui là sur la page, c'est même pas la première thématique. C'est même pas le grand tir. Le grand tir, c'est plutôt insurrection, coalition avec les séparatistes, achat d'armes, Kamto, enseignant de guerre. Battez-vous à lui la suite à la page, quoi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'était tout pour Essingang. Sans transition, mesdames et messieurs, le temps presse et ça presse avec sa presse. Eh bien, ça presse à Tikra en grand tir. Pingre Bell, bon, ce n'est pas le grand tir là-bas. Le grand tir, c'est plutôt développement urbain. Le génie militaire embellit la ville de Baham. Voilà. Battez-vous à lire la suite là, la page. De la page quoi, la page 7.
Après, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après sa presse, nous allons immédiatement voir le jour. Et c'est avec le journal Le Jour. Le journal Le Jour a écrit en grand titre. Marche, de quoi a-t-on peur? Point d'interrogation. Allez vous-même vous bacaner la suite à la page, de la page 2 à la page 3. Un peuple bison dit, cède de l'embe, deux points, c'est ok, point. Battez-vous, allez la suite à la page 1. Voilà, c'était tout pour Le Jour. Après Le Jour, c'est dorénavant et c'est d'habitude, Le Soir. Eh bien, nous allons continuer avec le journal Le Soir. Le cri hebdomadaire Le Soir, ticré en grand titre. En solidarité internationale et des voies de paix. L'Odyssée de Manaouda Malachi au cœur de la diplomatie mondiale. Un livre pour promouvoir la paix et la solidarité. Battez-vous à lire la suite de la page 3, la page 4. C'était tout pour le quotidien. Le plus modèle le soir sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement continuer avec le popoli. Le popoli, le popoli a tiqué en grand tir. Attention sociopolitique, le jour le plus long. Voilà, il y a quelqu'un qui est avec des bourreaux, une autre personne avec voilà, avec la police. Il y a un qui dit chastement, l'autre dit fouettement. Il y a un qui est au milieu, celui qui traverse va l'île. C'était tout pour le popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Comme me manque le courrier qui s'est éloigné. Eh bien, le courrier qui s'est éloigné me renvoie du côté du Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a tiqué en grand titre. Le Burkina Faso quotidien. Non, ce n'est pas ça le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt opposition politique. Le MPP utilise le COVID-19 et les fonds à des fins électoralistes. Voilà. Allez savoir ce que ça veut dire. Battez-vous, allez la suite de la page 8. À la page 8. Voilà, la page 8. Un peu plus à quoi là, ils ont dit. Autant le dire. Si j'étais Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Voilà, battez-vous, allez la suite. C'était tout pour l'Esprit du Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous allons nous rendre, n'est-ce pas, du côté de l'Espagne avec Sportero. Voilà. Sportero a tiqué en grand tic. Sera un coulé. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre marabout est polygote. Donc je m'exprime en toutes les langues. Là, je vais m'exprimer en espagnol. Sera un coulé este donde este. Luis Suarez, se despedit del Barça entre la grimace. La grimace est accompagnée de sus amigos de vestuario. Voilà, un peu plus bas là, ils ont dit nous sommes mis douin au porqué de Keromi, nous cacha au Kuntancha. Voilà, c'était tout pour Sportero. C'était tout pour Sportero. Sans transition, mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a tiré en grand fait. Un marché illégal du MSC. Trois points de suspension. Allez-vous-même vous bacaler la suite. Un peuple balayé, ils ont dit. Rage Union. Yeah, Lady and Gentlemen. Une fois de plus, c'est l'anglais. Hein? Une autre langue. Nous allons. Le marabout est bilingue. Le Cameroun est un pays bilingue. Let's go and let's continue. French FA. 33 billions to diversity production. The support me for support from the International Front for Agricultural Development intensification to ladies and gentlemen, excuse me, you constating that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, voir que le président du syndicat de marabouts du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de près d'ici à la recette coachée du Canada 2. L'émission Comédie Presse continue. 97, 98, 100. 100 commentaires. La fortune. Sans commentaire. Alors nous allons immédiatement commencer. C'est vrai que quand je bouge le courrier, je vois le courrier gros me montre quelque chose là. Nous avons encore deux panélistes qui s'échauffent là tout à côté. Le patriarche Kégué. Et n'est-ce pas, je vérifie l'autre panéliste là.
Voilà, Monsieur Garga Manadji, qui est également juste à côté. Le temps pour nous de vous présenter déjà ceux qui sont ici sur le plan. Honorable. Honorable. L'émission a commencé, Honorable. Ah. Voilà, l'émission a commencé. Ouais. Alors, Honorable, nous avons constaté que cette semaine, bon, les élections régionales vont se passer comment? Ouais, voilà. C'est ce qui bouleverse la tête de mon parti maintenant. Je vais profiter pour saluer tous les militants des bancs. Comme tout, tout va. Okay. Il y a des gens là-bas qui m'ont bien voté 5 à 5 fois. Tous les militants des bancs de Comtou, de Tronkongo, en fait, sont. Oh. Ça, sont les gens à saluer. Tu comprends? Mmh. Bon. Maintenant, là, dans la tête de mon parti, ça bouleverse. Moi-même, je ne dors pas. Mmh. Si tu vois mon compte Facebook ou mon compte WhatsApp, tu vas voir que je suis toujours éveillé à 1h. Tu sais pourquoi? Le compte Facebook, le compte WhatsApp. Ok. Tu vas voir que je suis toujours éveillé. Mmh. Pourquoi je suis éveillé? J'ai demandé si on peut cumuler les postes. Parce que je ne comprends pas si je vais choisir le régional ou mon épouse, ou alors je vais choisir rester député. Parce qu'on dit que quand tu es dans le régional, ça veut dire que tu gères une région. Maintenant, ça me perturbe sur le plan économique. Ouais. Parce que dans la politique, il faut lire l'économie de la politique. Ouais. Tu comprends un peu? Ne fais pas la politique pour faire. On fait la politique aussi pour gagner. Tu vois un peu, hein? Donc je suis en train de calculer. Ma fille Minko est en train de réfléchir aussi. C'est pour ça qu'elle écrit même un mémoire de thèse en professorat en agrégation. Tu vois, hein? Pour ressortir, monsieur le président syndical de Marabout, la valeur nominale entre un député et quelqu'un qui est dans le régional. Quel est l'intérêt? Le plus maximal entre les deux postes. Honorable, n'oubliez pas que vous n'avez pas beaucoup fréquenté, vous êtes un homme d'affaires et vous avez beaucoup de milliards, c'est pourquoi vous êtes en politique. J'ai fait la politique à l'université de Tronkong, tu comprends un peu. Et ce n'est pas, c'est la seule université où on se spécialise sans avoir le bac. Ok. Tu vois? Donc on se spécialise, c'est même pas vos choses que vous dites que vous. Merci beaucoup, crayon. Merci beaucoup, Honorable. On précise que toute personne qui va tenter d'envoyer des esprits maléfiques sur le plateau, sera directement inoptisé par un violent panari. Alors, nous allons nous diriger vers l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, bonjour. Ni ha, Shanghai. Ni ha, son excellence, Xi Jinping, fréquent à Shanghai. Ni ha, Marwa Limbe, Marwa Mazoudi, Monsieur l'ambassadeur chinois, ce n'est plus le chinois là-bas. Un enfant a été tabassé par sa maman. Pour finir, il a poignardé sa maman, sa scène s'est déroulée du côté de Douala. Et d'après le voisinage, on estime que l'enfant était capitaine en Banga. Banga, c'est ce qu'on appelle généralement la grogue. Le mari, Joseph, Yuan, voilà. Les Chinois appellent ça le Wang. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment allons-nous faire pour mettre fin à la consommation de stupéfiants, parce qu'on constate que la police pas même à côté des enfants qui sont en train de consommer ces stupéfiants, on n'interpelle plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Chine ne peut pas soutenir l'Afrique. Non, c'est un autre effrayant. D'abord, gagnant. Donc, moitié effrayant, content, toi, inquiétant. Ça veut dire que quoi? Sur 1000 francs, il croit à moi avoir 800. Et toi avoir jusqu'à 200. Il fait quoi c'est pour cela. Dernièrement, il fait de marcher. Après, on a fait la course. Maintenant, c'est le saut parade. Il fait content. Toi, il c'est dans la formation. Il fait content. Toi, il croit. Monsieur l'ambassadeur chinois vous a parfaitement compris. Vous n'êtes pas obligé de gronder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Nous allons nous diriger vers celui-là même qui a fait un très long voyage. Il a quitté ce matin du côté de la diaspora. Il a quitté vers 1h et il a pris son vol. Il est là parmi nous ce soir. L'homme de la diaspora, une fois de plus, merci de nous faire honneur et plaisir de venir sur ce plateau. Comme le père. Bonne année. C'est toujours un plaisir de prendre l'avion depuis Ntaba pour venir ici au Cameroun, question d'échanger avec vous pour l'émission Comédie Presse. Les bars et les restaurants fermés déjà du côté de Marseille et la Guadeloupe, est-ce à dire que, n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement en France, parlant de la COVID-19,
elle est revenue avec une autre forme de... Quelles sont les intentions de la COVID-19 actuellement en Europe? En fait, vous voyez, c'est un problème, c'est un problème géostratégique, parce que le COVID-19 n'est qu'un prétexte. Parce que je vous ai toujours dit sur ce plateau, il y a trois textes. Mm-hmm. Il y a l'avant-texte, le prétexte et le texte lui-même. Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est un prétexte. Donc le texte qui vient avant, parce que le problème, c'est que récemment, le PSG a perdu tous ses matchs. Ouais. Marseille a cogné le PSG, Lyon a cogné le PSG. Alors, ils ne sont pas d'accord. Donc, comme Paris, c'est la capitale, ils ont donc décidé de priver tous les Marseillais de tous les bars. Parce que, naturellement, le COVID a toujours résisté dans Marseille. En fait, les Marseillais même sont synonymes de COVID. Okay. Bon, mais la diaspora est en train de travailler dans ce sens-là pour voir comment lever rapidement au confinement, parce qu'ils ne sont qu'à 16 000 cas. Ah. Ils avaient 200 000 cas, mais on n'a pas fermé les bars. C'est pas 16 000 cas qui vont faire. Merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre la première thématique. Le temps pour nous de prendre une courte transition. On vous revient juste derrière. Nous n'allons pas oublier comme ça un habitué de ma piscine miraculeuse. Il est actuellement ici, je suis en train de le voir. Il est colonel, il est le directeur de la CEMIL. Il s'appelle monsieur Mbankui, à qui nous disons bonjour. Nous allons prendre la première thématique, Cameroun, plus de peur que de mal pour la marche du 22. Nous allons directement commencer par un homme politique, honorable Tchebal d'Afrique. Est-ce que de temps en temps, vous ne vous êtes pas rendu compte que la journée du 22 a été pratiquement une journée où tout le monde a mis plus de peur, tout le monde avait peur. Certaines personnes ont fermé carrément des boutiques, restées à la maison pour observer. Ouais. Bon. Or, le 22, il n'y a rien eu. Comment ça? Voilà, expliquez-nous. S'il y a des gens, les gens qui sont restés à la maison, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. On parle de plus de peur que de mal. Voilà. Bon, en tant que président d'un parti politique, de PNDE, tu comprends? Pouvez encore nous définir un peu votre parti politique? C'est le Parti National du Riz. Ah, ça c'est... Voilà. Donc, étant président de ce parti et l'homme le plus aimé de mon fief électoral, Troncon, je vais dire quelque chose. S'il y a eu plus de peur, ce n'est pas par erreur. Hein? La peur doit s'installer. Ça rime en heure. Oui, la peur doit s'installer quand il y a une menace en face. Tu comprends? Ça veut dire que quoi? Tu ne peux pas rester devant ta maison là. Même dans ta maison, tes enfants disent que demain ils vont fermer la porte pour que tu ne rentres du travail, tu dors dehors. Tu dis que tu ne dois pas avoir peur. Tu comprends? Ça veut dire que oui, ça veut dire que si moi, en tant que député comme ça, j'entends un seul instant que les militants de mon parti vont marcher contre moi, je dois avoir peur. Tu comprends? Ce n'est pas parce que j'ai fait 36 ans de députation que je dois dire que non, allez marcher, faites comme vous voulez. Même si je suis n'importe qui. Et que même si ce sont les militants de troisième heure, parce qu'il y a les militants de première heure, ceux qui me votent 5 fois, et les militants de deuxième heure, ainsi de suite. Les militants de troisième heure essaient même seulement de dire que non, je ne suis pas d'Afrique, tu as trop duré à la tête de PND, on va gréver, on va marcher, on va faire ceci. Moi, je vais avoir peur. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais chercher la sécurité. Tu comprends? Je vais mettre sur pied une forte sécurité pour les faire peur. Tu comprends? Oui, parce que si je ne mets pas sur pied une sécurité, ils ne peuvent pas avoir peur. Se disant, wow, on va aller dans la rue, on va marcher partout pour te décapitaliser sur la tête du pour te décapitaliser sur la tête du PNDR. Et que je reste 100 fois, si je reste à 37 degrés de température, tu peux finir par regretter. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que président d'un parti, je dois mettre un peu de sécurité. Quand tu dis maintenant qu'il y a eu plus de peur que mal, c'était comme la diaspora aime parler de jeu stratégique. Merci beaucoup. On va revenir vers c'était vous. C'était un peu jeu stratégique. Comme pour nous, d'aller vers l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, chez vous en Chine, il n'y a pas de marge. Est-ce que ça dit que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas eu peur de cette marche qui a été annoncée à grand pompe depuis la journée du 22? Il faut y comprendre. Est-ce que le sport est interdit? Ni faire les marches après les courses, ça fait partie des formations militaires. Il faut y comprendre. Après les sauts parades, il faut y comprendre.
Le 675 52 79 13 est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos SMS. On va les lire en direct. Vous avez la question pour Honorable, envoyez le SMS. Vous avez la question pour l'homme de la diaspora, envoyez le SMS. Vous avez la question pour quelqu'un international qui est déjà là, envoyez le SMS. Le temps pour nous de demander à l'homme de la diaspora, quelle lecture est-ce que vous, du côté de la diaspora, vous avez eu peur que la journée du 22 devait sombrer dans l'impasse? Vraiment plus de peur que de mal. Et moi, je vous dis, c'est un problème psychotraumatique. Parce que vous devez savoir que les Camerounais, pour la majorité, souffrent du syndrome de Stockholm. On va aller doucement. Oui. Ils souffrent du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est le genre qu'on veut te faire du bien. Tu refuses. Tu dis que non, pourquoi on m'a fait du bien? Beaucoup souffrent aussi du syndrome de Bushman. Très bien, Bushman. Bon, je vais vous présenter la chose. Plus de peur que de mal. Pourquoi les gens veulent marcher? Ça, c'est la question, une question existentielle. Pourquoi ils veulent marcher? On a construit le tramway dans Yaoundé et dans Douala pour que les gens n'aient plus à marcher. On a donné des possibilités aux taxis. On a chassé tous les mototaxis en Aoud. Et maintenant, c'est un Camerounais, un taxi. On vous facilite la tâche, on vous facilite la vie en vous donnant le moyen de circuler chacun une voiture. Pourquoi vous voulez encore marcher? Hein? Ils ne voient pas qu'en marchant là, ils vont nous user tout le goudron, laver le sale pas qu'ils vont mettre au sol, ils vont casser tout le goudron qu'on a conçu et qu'on conserve. Il ne faut pas détruire les édifices nationaux. Le goudron qu'on a mis dans Yaoundé, dans Douala, c'est pour le peuple camerounais. Alors, si vous voulez marcher, nous, on vous fait courir. Voilà. Vous avez le tramway qu'on a construit. Empruntez le tramway. Le métro est en train d'être construit. Empruntez le métro. Marchez comme roulez comme il se doit. Partout. On vous facilite la vie, vous refusez. C'est le syndrome de Stockholm. Voilà. Merci beaucoup, on vous a parfaitement compris. Juste le temps pour nous de recevoir le patriarche Kégué qui est déjà là. Patriarche, installez-vous confortablement. Kuntachia! Kuntachia! Tu as encore amené le vieux souci. Ne me dis pas que tu ne m'aimes plus. Oh, oh. Ah, yes, ne me le dis pas, mamie. Oh. Ne me dis pas que tu ne m'aimes pas. Oh, oh. Ne me le dis pas, Kuntachia. Oh, oh. Si vieux, ne me le dis pas, je t'en supplie. Merci beaucoup. C'est une chanson d'amour historique. Tu aimes encore grand-père. Nous sommes à combien? 55 ans d'amour sans égratation. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Papia Kégué. C'est pas comme ça qui disent I love you pour toujours. Papia Kégué, d'après ma lecture choristique, attendez, je vérifie dans mes choris. On a vu, vous avez eu peur de la marche. Mon chori du milieu montre là, vous avez eu peur de la marche du 22. Qui? Pourquoi? Qui a peur de la marche? Je ne suis pas allé marcher parce qu'il y avait un problème de définition mathématique. Hein? On ne marche pas comme ça pour marcher. Quand nous allons en compétition, il y a le 400 mètres, il y a le 200 mètres, il y a le 100 mètres, il y a le 5000 mètres, il y a le 10 000 mètres. Hein? Ça fait que chacun se définit des objectifs athlétiques à atteindre selon son potentiel physique. Hein? Moi, on dit marcher seulement. On marchait sur combien de kilomètres? On marchait sur quelle distance? On marchait jusqu'à combien? Et les mesures d'accompagnement, le ravitaillement, est-ce qu'il y avait les ambulances? Est-ce qu'il y a les médecins de soutien? Est-ce qu'il y a... On marchait comment? Les courriers sont clairs. Marchez d'abord. Marchez d'abord comment? Are you wonderful? Tu es fou. On marchait d'abord. On définit les préalables de marche. Mais il y avait les mesures d'accompagnement. Je sais que si je tombe, l'ambulance va me prendre. Sais que si je suis asphyxié, on va me faire du bouche à bouche et ça va me réanimer. Je marche comme ça alors qu'il n'y a aucune définition
De préalable, au préalable. Il y avait les mesures d'accompagnement, les casques, les chars à eau, oui, les boudins. Oui, bon, j'étais préparé pour la bastonnade. Voilà. Pour ça, il n'y a pas de problème. J'ai entraîné mes mollets. Ouais. Les mollets que vous voyez là, ça n'a pas encaissé même les coups de fer. Ah. Mais je voulais les mesures d'accompagnement de retour. Mmh. Bon, après la bastonnade, après la course et tout ça. What is my name? Qu'est-ce qui me revenait? Merci beaucoup. Hein? C'est là où il y a eu des problèmes. Merci beaucoup. Ouais. Honorable, ouais. Beaucoup ont estimé que dorénavant, si les gens veulent organiser des marches, les différents partis politiques, il faut qu'ils mettent beaucoup de nourriture comme pendant la campagne. Ah. Ils vont voir comment est-ce que les gens vont marcher. Comment? Est-ce que c'est la campagne? Hein? Vous définissez bien que la on campagne... On marche pour rien. Il faut comprendre quelque chose, tu comprends? Oui. Quand on dit qu'on marche, et quand le vieux C, qui n'a même jamais touché son argent de retraite, tu comprends? Oui. Il ne sait pas qu'on a défini les objectifs de marche. C'était pour résoudre le problème là que les partis politiques ont marché. Mais maintenant là, moi, par exemple, si on dit qu'entrer dans une campagne politique, la campagne politique est un moment de stratégie marketing pour ne conquérir le pouvoir. Mmh. C'est ce que ma fille Minkoma a dit que je définis. Maintenant, la marche, c'était une revendication revendicationnaire. Mmh. C'est-à-dire, les gens des partis politiques sont en train de dire qu'il faut qu'on change le cours de l'électorat. Mmh. Tu vois un peu? Moi-même, c'est vrai que j'ai seulement deux députés à l'Assemblée, moi et Honorable Temtro, c'est un droit parce que je veux qu'on change le cours de l'électorat. Peut-être que c'était ça. Et maintenant, il y a certains gens qui m'ont dit, tu comprends, que le grand-père, si, il faut qu'on améliore son salaire de retraite. Maintenant, vous voulez qu'on lui donne un peu le riz, la sardine que nous, on a l'habitude de donner sur la campagne électorale, qu'on lui donne ça pour qu'il parte marcher pour son bien-être. Moi, je suis un homme politique et que je veux marcher. Tu vois un peu, le problème c'est que le jour là j'étais malade. Oui, parce que il y a les militants qui disent oh, honorable, on ne t'a pas vu dans la marée le soir. Je suis pas d'accord. Non, je n'ai pas marché parce que j'étais malade. Si tu organises maintenant là, je peux sortir maintenant parce que je suis en forme. Mais demain, je ne suis pas sûr parce que la maladie peut me prendre la nuit. Tu vois, donc les militants du PND, ne vous fâchez pas. Ça me rappelle les courriers me manquent que ça me rappelle Hercule en Dragon Ball Z. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pas d'accord, pourquoi? Parce que vous voyez, c'est vrai, c'est un député, mais il ne connaît pas, c'est un inculte. Il s'agit de là, c'est-à-dire que tu n'es pas pour culte. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve là dans une situation sociétale. C'est-à-dire, on a des individus qui n'arrivent pas à accepter la modernité, à accepter les changements qui s'opèrent dans la société. Ouais. C'est cette catégorie d'individus-là qui décide de marcher. Pourquoi marcher? On vous construit une autoroute en plein cœur de la capitale comme ça là pour enlever les embouteillages et tout. C'est sur ça que vous choisissez d'aller marcher. On ne marche pas sur l'autoroute. L'autoroute, c'est pour les voitures qui vont rapidement. Hein? Et moi, je dis... C'est pour marcher plus vite. Non, c'est pour rouler. Il y a une catégorie de Camerounais qui n'aiment pas le changement. Et en latin, dans l'antiquité grecque déjà, l'honorable Emias Tepi l'avait déjà dit. Ouais, c'était mon ami. Voilà. Mm-hmm. Il avait dit en latin, et je cite, Motomogne fulunemu ki bobole guime pour ma banca dunyana adibabanga bi nankano. Ça, c'est du grec. Faut pas nous tromper. C'est l'ancien latin, vous pouvez pas encore maîtriser. C'est-à-dire quoi? L'homme qui détache le bâton de manioc en entier avant de le manger ne peut pas garder un secret. Et tous ces gars qui étaient en train de marcher là, ce sont des gars qui ne conservent pas des secrets. J'en ai terminé. On va rapidement lire quelques messages. C'est vrai que l'ambassadeur chinois doit rentrer en Chine d'un moment à l'autre. Nous allons, monsieur l'ambassadeur chinois, on va revenir vers vous tout à l'heure. Bonjour au plateau. Moi, Haricot Sucre depuis Kikala Ngwaso. S'il vous plaît, combien de partis ont défilé? Honorable, c'est vous l'homme politique sur ce plateau, combien de partis ont défilé? Bon, on ne pouvait pas déterminer parce que personne ne mettait les maillots de son parti, ni les pagnes. On pouvait pas. Bonjour à tout le panel. Je vous apprécie dans votre manière de corriger les mœurs en riant. Un bonjour particulier à Kegege et à l'honorable. Monsieur l'honorable, envoyez-moi l'argent de la campagne. Clément depuis la ville de Marois. Est-ce qu'on est déjà en campagne, Clément? Le temps de campagne, tu me bipes. Tu connais, tu me bipes. Bonjour le panel, très content de vous revoir. Félicitations à vous. Karel Mbida, Makepe Misoko.
Ouais, ce sont les gens qu'ils construisent sur le sable. Marquez pêche, ils ont fait la fondation. Marquez pêche. Non, ça voilà, va. Nous allons directement continuer avec les messages. Salut le président des marabouts du monde entier. Courage à tout le plateau ambassadeur chinois. Pourquoi les Chinois n'ont pas assisté à la marche? C'est une question pertinente. Pourquoi les Chinois n'ont pas assisté à la marche? Non, nous on faisait toujours les sports tous les jours. Pourquoi faire les marches ce jour-là? Il faut écouter, nous on marche tous les jours. Après on fait la course. Après merci le beaucoup. C'est quand même une question de partenariat. Oui, oui. Non, avant c'est partenariat gagnant-perdant. Il faut écouter, il faut avoir encore. C'est Boris depuis Mba. Merci beaucoup, monsieur la marche. Continuez de marcher. Cette façon, vous allez seulement regarder. La prochaine fois, vous allez voir. C'est Boris Mba depuis Yaoundé, au quartier. Oja. Voilà. On va continuer à lire les SMS. Bonjour puissant marabout et le panéliste et les panélistes. Kegege, what are you doing? C'est-à-dire ce que vous je êtes bois, exigé je bois, dès je bois que la semaine. Je bois, c'est tout ce qu'on m'offre. Ok. Ouais, c'est banking depuis la ville de Bamenda. C'est bien ça pour les gens de Bamenda. Vraiment, merci de nous regarder. Bonjour à tous sur le plateau de Comédie Presse. Pardon, monsieur le président du syndicat des marabouts, demandez à l'homme de la diaspora de bien nous expliquer le syndrome de Tocol. Voilà. Donc, nous les Camerounais souffrons. Jean de la Cité Verte, très bonne émission. Bon, en fait, le syndrome de Stockholm, en fait, c'est un grand chercheur neurochirurgien qui avait opéré pour la première fois l'œil et il a vu la pensée de l'homme à l'intérieur. Et il a constaté qu'il y a une catégorie d'hommes quand tu lui fais du bien. Ok. Il n'est pas content. C'est ça le syndrome de Stockholm. Il vous a parfaitement compris. Voilà. Bonjour, professeur, c'est Abdul Karim depuis Garoua. Juste pour vous saluer et vous encourager et saluer monsieur Kuntansia. Bon week-end. Est-ce qu'il ne peut pas me faire le SMS de Kilishi? Monsieur Kuntansia. Est-ce qu'on encourage comme ça? Bonjour à Comédie Presse. Merci au marabout pour avoir invité l'honorable qui a un accent des députés du temps jadis et son français tout à fait particulier. Pourquoi le marabout se métamorphose? Pourquoi? Ok. Parfois il a un œil, parfois deux. Nous voulons que le professeur des marcheurs nous apporte les bombes à chaque marche. C'est Patrick depuis le Mans en France. Mec de... Patrick le plus grand demande les bombes passées. Les matraques là aussi. Mais, ça laisse même les... si on est entraîné. Non, Patrick, il faut toujours si me voter. Vraiment, quand tu prends pour que je puisse cumuler les mandats, Patrick. La diminue. Bonjour à toute l'équipe de Comédie Presse. Je réponds à la question de la marche du 22. Les organisateurs doivent sortir, montrer l'exemple au peuple que... On manque l'exemple même sur le terrain. Je continue quand même à lire. Les organisateurs doivent sortir montrer l'exemple au peuple que se cacher, que de se cacher pour pousser les peuples dehors. Grand Zito, DP Fumbot Ndinja. Mais j'ai reçu un communiqué au sujet de la marche. Où on disait qu'il y a eu erreur sur la date, que c'est plutôt le 22 septembre 2021 et que on doit repartir avec la même énergie. Bonjour le panel. Bonjour particulier à Kédigé International qui nous donne un proverbe, s'il vous plaît. C'est Liango depuis Yaoundé. Il y a un proverbe israélo-palestinien soudano-chaïlien qui dit War mi warata Bilou mi dilata Nyamu mi nyamata Hoku mi hokata Ko yidi mi yidiba. Merci beaucoup Kédigé International. Bonjour à tous sur le plateau. Je salue la légende sur son intervention. Bon week-end à tous. Kwari Jinten de Nyombong à Douala. Ok, salut moi. On alors va s'arrêter. Il a demandé que tu me salues, non? Respectons les messages. Parce que, vraiment, si on commence à lire les messages, ça sera une émission de messages. Oui, mais on va quand même encore lire les messages. Bonjour les panélistes, en particulier à la légende. En passant, quelles sont les résolutions prises suite à la marche du 22 ratée? Fred depuis le carrefour est mien. Oui, déjà nous avons d'abord pris les Chinois de mettre, puisque comme ils ont marché là, ils ont creusé beaucoup de nids de trous, de poules dans toutes les routes goudronnées de Yaoundé. Donc on a déjà d'abord pris une première résolution, on va fermer tous ces nids de poules et puis maintenant les interdire de marcher encore la prochaine fois. Quand et vous si, fermez les nids de poules, les poules vont pondre où? Bonjour, c'est André de Bonaberry, je salue tout le tableau. Tout le tableau de Comédie Presse et que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Voilà. Je veux... On arrête les messages jusque-là, trop de messages. Alors, nous allons rapidement prendre les derniers, les conclusions sur cette thématique. Nous allons commencer avec
l'homme de la diaspora, aujourd'hui, que doit-on retenir de cette marche qui a fait plus de peur que de mal? Oui, moi je pense que les conséquences sont là, les conséquences tant infrastructurelles qu'économiques. On a perdu la plupart, du moins pour les coins où on a marché. Par exemple, à Bafang, il n'y a plus de goudron à cause de la marche. Vous voyez, les marcheurs ont cassé tout le goudron avec leurs pas. À Yaoundé, dans certains quartiers, on a des nids de poules. Ils sont allés marcher sur la route d'un commerce et ils ont raclé tout le goudron là-bas. À Douala, alors, c'est partout. Donc, ils ont cassé le goudron. S'il vous plaît, vraiment, pour l'avenir de notre pays, ne marchez plus. Vous allez casser tout notre goudron. Ne marchez plus. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur l'ambassadeur chinois. Le marché peut faire nous les recettes. On a les voitures 3000, une garantie, une il fait écoutant. Et nous avons les voitures 100 000 garanties, 1000 ans de protection, fait écoutant. Pas comme il fait ou encore si hein. Dans l'ancienne nouvelle technologie, une heure de garantie est égale à 30 secondes, or que 10 ans de garantie est égale à 1000 ans. Donc choisissez ce qui est plus cher. Merci beaucoup. Sans garantie. Honorable, la leçon que je vais retenir et je vais dire à tous les hommes politiques sur la marche, c'est quoi? L'opposition doit me comprendre. L'opposition est dispersée. Tu sais pourquoi ils sont dispersés? J'ai demandé que le PNDR, que toute l'opposition se rassemble autour du PNDR et me laisse à la tête. Hein? Oui. Tu comprends? À la tête de l'opposition. Maintenant, là, ils sont dispersés. Dans l'opposition, il y a l'opposition de l'opposition. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que comme j'avais dit que non, je serais le leader, le chef de file de l'opposition. C'est-à-dire tous les autres partis. Qui est trésorier de votre parti politique? C'est mon épouse. Qui est chargé de la communication? Ma fille Minko, elle est secrétaire à la communication. Qui est maire? Le maire, c'est mon épouse. Hein? Et mon beau-fils est le comptable du parti. Vous voulez que les gens vous suivent? Continuez. Non, le problème c'est quoi? C'est que dans l'opposition, c'est un parti démocratique, grand-père. Dans mon parti, si je prends la tête du parti, tu sais l'avantage qu'on aura, puisque la famille est soudée. Quand tu crées ton parti en te basant d'abord sur la base familiale, la famille est d'abord soudée. Tu comprends un peu, hein? Donc ça fait que le parti politique n'est pas un parti facile à casser. Je n'ai pas fait 36 ans de députation pour rien. Merci beaucoup. C'était la conclusion honorable. Nous allons. Oui. Donc que l'opposition soit unie autour de moi. Je suis le chef de file de l'opposition. Tous les marches et revendications vont marcher. Normalement. Comment la marche fait pour marcher? Merci beaucoup. Ça va marcher. Patriarche qui vient. Moi, je crois qu'il faudrait d'abord qu'on s'accorde autour de ce proverbe petit qui dit ceci. J'aimerais mettre ça, me bouffer ma queue, me sauver que ça va me bouffer ma quoi. J'aimerais mettre ça, me bouffer ma queue. C'est-à-dire, en d'autres termes, en un mot, pour tout dire en somme, en définitive, on ne va pas à la pêche sans s'accorder d'abord avec sa ligne et ses appâts. Donc, je voudrais que les prochaines marches. Moi, je suis prêt à marcher. Mais il faut qu'on nous définisse tout un an avant. Oui, qu'on nous donne d'abord les clauses, les retombées économiques, sociales, les retombées psychologiques, spirituelles, tout, que ça soit défini un an avant. Merci beaucoup. Comme ça, on va se préparer. Ça, parce que lui, il parlait de code électoral. Moi, j'ai entendu code préfectoral. Merci beaucoup. Donc, je m'engage comme ça pour le code préfectoral. Le temps pour nous de prendre ce très grand président d'un parti politique. Le PNI, nous allons dire merci à l'ambassadeur chinois. C'est un petit parti politique qui va parler de nous. Nous n'allons pas accepter toutes les conneries et les règles. Non, il ne faut pas. Il faut pas venir couper la démocratie. C'est toi qui as créé l'opposition. J'ai dit, vous avez créé l'opposition. Monsieur Mabina, je vous ai dit, je peux être le chef de file de l'opposition. Je ne suis pas fort opposant. S'il vous plaît, monsieur Mabina. Oui. Je ne suis pas fort opposant. On a fait la réunion l'autre jour, tu as fui. Monsieur le député, ne troublez pas la démocratie. Ne troublez pas la démocratie. Dans un parti. Vous venez comme ça, monsieur Mabina. On a vu là, on a observé, on a marché avec les caméras pour voir où Mabina marchait. Vous avez marché où? J'ai dit, un proverbe pygmée le dit. Ce qui me dit, quand on va à la course vers l'or, ce qui gagne, ce n'est pas ce qui creuse, mais ce qui vend les pelles. Explique-nous ça. Quand on va à la course vers l'or, les gens qui gagnent, ce ne sont pas ceux qui creusent, ce sont ceux qui vendent les pelles. Je ne peux pas comprendre que
une opposition décide de marcher alors que l'un est affouri. Ils veulent commencer à marcher, ils n'ont pas cherché à sécuriser ceux qui vendent les chaussures, ceux qui vendent l'eau, ceux qui vendent les arachides, ceux qui vendent les bitacos. Ça nous sert à quoi? Ils nous ont cassé tout le goudron en marchant. Une opposition sans oxygène, vous allez marcher pour rien. On est à l'heure de courir, il faut courir. Alors il faut s'entendre avec les sauveteurs, les gens qui vendent. Vous avez une opposition bizarre et je tiens à vous dire. Ça, c'est une opposition à l'opposition. Je vous ai soutenu pendant votre marche. J'ai laissé mes militants au fond. Pour que si Abraham déclenche l'eau ou on lance les gaz lacrymogènes, que mes militants courent vite aller appeler la communauté internationale. Et j'ai dit que tant que vous n'allez pas comprendre que pour un pays fort, il faut un homme debout, votre position va continuer à marcher avec un pied cassé comme Cotobas. Je vous dis ça. Mais ce Mendonga, tu n'étais pas à la marche. Honorable, il a trois sosies. Il a marché sur Facebook. Voilà. Je n'ai pas vu. Moi, j'étais malade. Je n'ai pas marché. Moi, j'étais à l'hôpital. Vous avez envoyé les gens marcher. J'ai un carnet médical qui me montre. J'ai un carnet médical, mais ce Mendonga. J'ai laissé l'argent du parti là. Oui. L'argent du parti. Voilà. Oui, on a vu l'argent du parti ici rapidement. Voilà. Nous allons, avant de prendre rapidement la deuxième thématique, nous allons prendre rapidement quelques messages. Bonjour le panel, j'aimerais voir le grand-père là marcher prochainement et le voir lors de la bastonnade à Lindou de Garoua. Il parlait de quel grand-père? Il y a un grand-père ici. Il parlait de quel grand-père? Bonjour. Tu te sens indexé. Que le président du Pénin nous fiche la paix. Il n'a pas marché il vient avec les montres qui brillent. Il vient nous dire il n'a pas marché. C'est ça. J'ai demandé de marcher. Il avait pris l'argent en 2018 pour vendre ses voix. Bon, je suis le seul de l'opposition qui merci beaucoup. Il n'a pas marché, monsieur Mendonga. On va se cracher. On va se cracher, nous de l'opposition. C'est toi qui es opposant de mon opposition. Vous n'avez pas honte. Le PND est le seul, monsieur Mendonga. J'étais prêt à aller marcher. Et un jeune comme ça, tu ne on va se cracher. Tu as vu ces mollets, je me suis entendu pour marcher. Pour 18 millions, tu as vendu une loi à l'Assemblée. Tu donnes une honte pour notre jeunesse. Mais tu vas marcher, pour 18 millions, tu as vendu une loi à l'Assemblée. Pour 18 millions. 18 millions, monsieur. On va se cracher. Il y a des partis qui n'ont même pas de députés, ils nous ont parlé aux élections. Ils avaient peur que je les batte dans les villages. C'est poche. Ils n'avaient pas peur que tu les battes. Vous avez vu ces poches. Ils connaissent ton mangeoir. Tu es là pour le mangeoir, monsieur Mendonga. Merci beaucoup. On va prendre les gens qui nous opposent dans ce pays. Monsieur Mendonga, Mabina, Pakia Kege. L'homme de la diaspora. Pourquoi moi j'aime les gens qui sont en Europe? Ils sont toujours calmes. Alors, parce qu'ils mangent trop. Mali, la transition, les militaires ont démontré qu'ils sont sages et intelligents une fois de plus. Ils ont dit qu'ils donnaient la transition aux civils, mais ils ont appelé un ancien militaire qui est devenu président et le vice-président, c'est un colonel. Quelle lecture faites-vous, l'homme de la diaspora? Lorsque vous me posez cette question, je comprends que vous n'avez pas lu ma thèse, parce que j'ai écrit une thèse sur le football. Hein? Comment comprendre le football? Là, ce que les militaires du Mali ont fait au peuple malien, on appelle ça le coup franc. Mais ils ont tapé un coup franc en casserole. Et le phénomène, en fait, ça se prépare comment? Il y a ce qu'on appelle passe aveugle. La passe aveugle, c'est le genre, je regarde ici là, et je mets le ballon ici. Donc pendant que toi tu es en train de regarder là-bas, tu es sûr que ça va venir, j'ai mis le ballon ici là, et puis le but est entré. Donc moi je pense que le peuple a exigé un civil à la tête, non. Ils ont mis donc un civil militarisé. Vous voyez un peu. Donc si on a un ancien militaire à la tête et un militaire qui va le seconder, c'est toujours les militaires qui sont là. Tout le monde est content, les civils sont là, les militaires sont là. Voilà. Pakia Kegege, la CDAO a dit, je vais vérifier si c'est vrai dans les coulisses. Ils ne lèvent pas les sanctions. Ce sont toujours les militaires qui sont au pouvoir. Que les militaires pensent qu'ils sont intelligents. La CDAO a dit qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ne lèvent pas les sanctions. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens continuent à fermer les yeux sur la profonde pertinence de ce proverbe bamois qui dit ceci, et je cite. Rim à Jem, à Fion, à Non, à Dibime, à Onoko, à Gonoko, à Nunaï, à Gonoko, à Kokoko, Rim. Gonoko, ce proverbe dit ceci. Le pouvoir n'est amer que dans la bouche de celui qui ne le possède pas. Ah. Donc, quand les gens viennent vous dire qu'on va prendre et puis on va vous donner et après on va laisser, ça veut dire que vous êtes aveugle des oreilles.
Si c'était aveuglé, je rêve. Parce que, et puis moi, je dis que le peuple même dérange. Quand les militaires disent qu'ils ont pris le pouvoir, le peuple est dans la rue. Oui, on est sauvé. Vous voulez que le sauveur vous laisse entre les mains de qui? L'abandonne rapidement. Comment? Ils sont un peu fous. Si vous avez acclamé le sauveur, laissez le sauveur continuer à vous sauver même pendant 20 ans. Il va vous sauver. Hein? Mais si le sauveur était un ancien militaire qui est devenu un nouveau civil, what are you doing? Vous voulez quoi? Hein? Est-ce que c'est l'habit qui fait le pouvoir? Non. C'est le cas. Un cas peut être militaire et gouverner en civil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que... Merci beaucoup, Patria. Alors, Mandouga Mabina, Jean Dutambé, vous suivez de très près l'actualité au Mali. Et vous êtes au courant que, après les militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'ils donnaient aux civils. Mais ils ont appelé un militaire à la retraite et le vice-président reste un colonel. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Je tiens à rappeler à tous les établissements scolaires qui sont les nouveaux établissements scolaires qui étaient les auberges avant que nous vous encourageons parce que l'année scolaire s'est soldée pas de manière vraiment Mozambique. Aujourd'hui, nous voyons des chefs d'établissements qui n'ont pas payé tous les salaires des enseignants. On voit des enfants qui n'ont pas fini la pension et qui ont quand même eu l'examen parce qu'ils avaient déjà déposé les dossiers. Je tiens à vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas bêtes. Il y a eu l'eau, le tchon s'est percé à l'office du bac, ça a arrosé le bac. Donc, l'année prochaine, vous qui allez à l'université, on va se rassurer que vous allez payer tout. Parce que nous, on peut pas être là. On parlait du Mali, voilà un opposant. C'est la barbe qui parle ou c'est la bouche? On parlait du Mali. Oui, laissez-moi, on doit voilà un opposant. C'est la barbe qui parle ou bien c'est la bouche? C'est un promoteur des écoles. Il a cette école, comme tu vois là. Honorable, laissez-moi. Vous voyez donc que l'opposition ne peut pas être soudée. On ne peut pas faire front. Parce qu'il y a des gens qui ont les fronts qui brillent comme le charbon, des gens qui ont les fronts. On était au Mali, monsieur Mandouga. On était au Mali. Je me suis perdu. J'étais en train de dire que vraiment, si un militaire devient un chef d'État, je pense que tout dépend des conditions dans lesquelles il a été accouché. Tout à l'heure, le vieillard qui ne veut pas laisser la. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Vous avez dit? Ce garçon a dit quoi? Tu parlais des personnes âgées qui ne veulent pas laisser la politique. Si c'est les personnes âgées, ça va. Qui continuent à manger les Viagra pour rester debout et venir manger. Vous avez quelle expérience? Nous, on a l'expérience. Ce garçon ne sait même pas ce qu'il veut. Nous, on a l'expérience. Regardez ces mâchoires qui sont déjà dures d'un bitacola. Ils viennent parler ici. Qui ont des haleines de sorciers de ne pas me parler lorsque je suis en train de parler. Mais Mandouga, nous, on a l'espérance. On est au Mali. Chaque réunion des opposants, il fuit. Il vient toujours en retard. Honorable, vous n'avez pas la parole. Laissez-moi Mandouga. Je vais vous lancer le paradis. Je ne peux pas laisser ce monsieur. Je suis en train de dire que les Maliens sont comme ça en train de nous donner un signal fort. On dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un a laissé, quelqu'un a pendu. Et le vieux a parlé tout à l'heure de quoi? Tu as dit que l'homme âgé a parlé tout à l'heure de. Il faut pas, il n'y a pas de vieux. A parlé de sauveur. Quand le sauveur vous sauve, est-ce que vous allez laisser le sauveur se sauver sans finir de vous sauver? Merci donc, beaucoup. Je crois que les militaires, ils doivent rester là, mais qui pensent à créer une alliance avec les présidents des partis de l'opposition solide, des pays voisins, afin que nous entendions sur des mesures. Parce que je peux leur donner des conseils dans l'Assemblée nationale, afin que leur pays soit fort. Parce que le pénis, le parti de l'émergence, vous avez combien de députés? Zéro. Un député. Un parti qui me parle. C'est sa femme. C'est sa femme. C'est ta femme. Ça fait quoi? C'est ta femme. Après, tu dis que ma femme est maire de mon parti. Bonjour, le plateau de Comédie Presse. Mes félicitations au présentateur. Pour son courage, je suis Paul Mwanda. Paul Mwanda depuis Malabo. Pour mon courage. De toute façon, je m'arrête pas, je n'aime pas. Avec tout ce que tu as au cou là, comment tu ne seras pas courageux? Arafat a eu la même chose, il est mort aujourd'hui. Ce garçon, tu as dit quoi? Bonjour, le plateau. Vous êtes rigolo. Parce que je n'ai pas de jeu. Vous êtes rigolo. Non, il est ridicule, pas rigolo. Qui est rigolo? Je ne bois que de l'eau et je suis rigolo. Voilà. Mais en tant que citoyen, je n'aime pas le désordre dans mon pays. Je ne marche pas et ne marchera jamais. Nous sommes tous les ailes. Le Cameroun est un pays, hein? Voilà, c'est ça. Hein? Le Cameroun est un pays de la paix. Et nous voulons la paix, rien que la paix, que ça soit ainsi. Tranquille. C'est Ben Eddy depuis Yaoundé Kounou. C'est ça, Ben. Vous vous battez vraiment. Avec nous là-bas, vous vous envolez seulement pour sortir. C'est bien. Salut le plateau. Je vous suis 5 sur 5. Votre ami Cissé. Mounjahi.
depuis le Bénin, précisément à Djougou. Djougou au Bénin, on vous dit bonjour. Tu connais très bien là-bas parce que tu passes même pas ta chose. Non, moi. Le prochain vol qui devait te prendre au rang. Laisse, je dors sur le toit d'un immeuble à Paris, monsieur. Bonjour, un proverbe chinois dit, il a écrit en chinois, pour dire l'oiseau mort ne restera jamais en l'air. Bonjour à l'ambassadeur chinois, Lionel le riche de Douala, moustique, ouvre ton sac, tu nous sous les oui. C'est quel vocabulaire ça joue? On va repousser la rentrée scolaire. À quoi de vous là? Le oui, c'est quoi? Moi-même, je ne comprends pas. Ouais, bonjour, Comédie Presse. Bonjour, Comédie Presse, s'il vous plaît. J'ai besoin des proverbes de Kégué. C'est la voix de la sagesse. Kisha, il a combien? Bonjour, Moustique. Où étais-tu depuis? Aïcha, depuis Yaoundé. Aïcha, faut m'écrire sur le numéro du parti. Je vais t'expliquer. Faut écrire le numéro qui est au bas de l'écran, Aïcha. Bonjour, monsieur le marabout. J'ai bu 5 litres d'eau avec la pointe d'arachide que vous m'avez prescrit. Et puis, chap, me voici dans mon centre d'examen. Je ne vois rien. On dit même qu'on a enlevé mon nom au lycée une fois. à Lilou, depuis Poli, au nord, Cameroun. Tu vas voir, c'est mauvais traitement. L'arachide était comment? Okay. L'arachide était comment? Il faut me donner toutes les précisions. Tu m'avais escroqué que je serais sénateur. Je suis calé de l'arachide. Alors, était rouge. Si vous aviez un conseil à donner aux Maliens, monsieur, un conseil. Qu'est-ce que les Maliens doivent faire? La CDAO maintient les sanctions. Moi, ça va me coller des pas, ça ne pas là-bas. Bon. Voilà, les sanctions sont maintenues. On veut les civils, les gens qui ne maîtrisent pas comment manipuler les armes. On veut les civils. Oui. Tu comprends? Il y a un proverbe anglais qui dit que ça veut dire quoi? Quand ce n'est pas dans la maison, c'est que c'est à côté de la maison. Donc ne voyez pas pour le Mali, vous ne voyez pas pour les autres. Bon, en tant qu'homme politique effervescent et le seul homme qui peut diriger toute la ligne politique dans ce pays, je peux dire aux Maliens, c'est-à-dire les pénistes, les MR, tout ça, tous ces gens-là, je suis tête de file de l'opposition. Tu comprends? Alors. Il va mourir parce que mon parti a 5 députés. Bon. Alors, comme je disais tantôt, les Maliens, voilà ce que les Maliens doivent faire. Ils doivent se organiser, m'inviter pour une conférence politique. C'est-à-dire venir les sensibiliser. Parce que je sais qu'un homme en tenue, en retrait, ne met plus la tenue. Oui. Qui se calme. Merci. Un homme en tenue en retrait ne met pas la tenue. Il est scotché. Continuez. Il est scotché actuellement. Il nous regarde. Il est inspecteur de police deuxième. Monsieur Ntolo, du GMI, l'homme fort qui a mis la main sur des très grands anarcheurs, braqueurs du côté de la banque centrale. On vous dit bonjour. C'est le genre de militant que vous voulez dans votre parti. Oui, c'est un militant qui peut garder même mon épouse. Je suis en train de tirer mon coup pour ne pas avoir les torticolis. Voilà. On va également profiter pour dire bonjour au colonel magistrat Sonné qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Ouais. Voilà, il ne s'est pas déplacé. Alors, l'homme de la diaspora, vous avez un message à envoyer aux Maliens? Moi, je dis juste aux Maliens qu'ils ont eux-mêmes choisi leur destin. Qui mettent même les sapeurs-pompiers? Les sapeurs-pompiers sont les civils. Il n'y a pas de problème. Quel que soit l'homme, ils ont choisi leur destin. Ce que la CDAO est en train de faire, là, ce sont les barques-bâtiments. Qui mettent les policiers? Les policiers sont les civils. Non. Là, ils ne doivent pas changer. Qui met les gardiens de nuit? Là-bas. Les gardiens de nuit, au moins. Ils sont reconnus comme les civils. Ils dorment. Bon, ils sont en tenue aussi. Ils sont aussi en tenue. On les appelle au quartier chef. Dans son quartier, on n'appelle pas les gardiens chef. Il faut me vous voyez. Vous n'êtes pas président de parti. Il faut d'abord vous coiffer avant de me parler. Non. Je suis un mengiste. Il ne faut pas m'imiter. Et c'est la diaspora qui fait votre force. Vous faites quelle force? Vous quand payez vous les impôts. Quand vous venez vos élections présidentielles, vous venez là-bas à la diaspora. Vous payez les impôts. Les moyens. Aujourd'hui, tu me parles. Qu'on cotise là. Je vous paye les impôts. Tu as demandé à toi de cotiser. Vous avez envoyé les comptes sur les PayPal. Ce monsieur est venu ici un jour. Il m'a donné un chapeau. Toi, tu as donné quoi? Tu quittes l'Europe, tu me donnes un chapeau. On va prendre une question pour nous de venir. Ok, rapidement, Patriarche. Non, monsieur, l'habit, c'est quoi? L'habit, c'est quoi? L'homme de la diaspora, c'est quoi la changer? Je vais vous lancer le panari. Voici le mot de fin, qui est la fin de tout. Parce que le proverbe malien dit halala, halala, halala. Et ce proverbe est clair. Parce qu'il dit
Quand la pluie tombe, tu jubiles. Et quand il y a l'inondation, tu pleures. Il faut que les Maliens et tous les Africains apprennent à se tenir tranquilles quand il y a changement de situation. Ils se tiennent d'abord tranquilles, ils observent, ils voient. Parce que ça nous dérange qu'aujourd'hui on jubile et après on veut marcher. Et puis qu'ils comprennent que David était un militaire. Il a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans. Josué était un militaire. Il a fait entrer le peuple d'Israël à Canaan. Qui a dit qu'un militaire ne peut pas être un bon président? Qu'il prie pour leur président, le pouvoir vient de Dieu. C'est quoi même chose? Aujourd'hui, les gens pleurent sans carabin. Monsieur Mbina, vous regardez les Maliens, regardez cette caméra. Vous allez regarder les Maliens le droit dans les yeux et vous envoyez un message à ces dirigeants qui ne veulent pas laisser le pouvoir, n'est-ce pas, aux civils. Que les militaires laissent le pouvoir aux civils. Vraiment, chers militaires, vous qui avez le pouvoir, attendez-vous avec le peuple, parce que si ça cuit, ils vont encore, vos compagnons vont venir ici là pour encore ouvrir les boutiques et tout, et on n'a pas de travail ici. Je vous en supplie, notre pays c'est déjà compliqué. On voit les Maliens, les Sénégalais, ils ont les boutiques ici là. Ils nous donnent le crédit. Toi, tu m'as déjà donné un crédit. Ils ne payent pas. Les Maliens nous donnent le crédit. Ils ne payent pas le loyer. Ils dorment dans leurs boutiques, ils habitent là-bas. Ça fait que les gens qui ont les maisons en location ne peuvent pas avoir. Non, vraiment. Pardon. Débrouillez-vous à la raison. Parce que quand ça commence là-bas, si vous voulez la paix, faut préparer les paix, parce que quand on pète, ça sent mal à côté et nous on ne peut pas les autres. Monsieur, voilà. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. Voilà, pour les Maliens. Je dis que les Maliens ne doivent plus nous donner les crédits. Pourquoi? Tu vas me donner les crédits. Quand ils donnent les crédits à Kuntasha, je ne sais pas ce que Kuntasha fait après, elle rembourse. Mais moi je mange. Pour les vieillards. Hein? Qui tu as dit? On mange. Ah bon? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, l'homme de la diaspora. Merci beaucoup, honorable. Mais n'invite plus ce monsieur quand merci je suis là. Hein. Président du Pénis. N'invite plus ce merci monsieur. Merci beaucoup, Patriage Kégué International. Ouais. Si vous voulez, vous restez sur le plateau. Moi, je m'en vais. Qu'un parti politique ne vient plus jamais demander le monde à la diaspora. On ne va plus financer. Il faut dire ça à monsieur Mendunga. Il faut dire ça à monsieur. On ne va plus financer vos campagnes. Il faut dire ça à monsieur Mendunga. Il ne va plus financer vos campagnes.